mixing. Le nouvel album de Cato n'étant pas sorti le 31 juillet dernier, je nous ai pris le petit bundle avec les trois versions. Et il y a aussi un petit goodies normalement à l'intérieur. Toujours est-il. Ha! On va pouvoir regarder ça de plus près. Alors il y a un truc sur les couvertures que j'ai moyennement aimé. Je vous présente l'album de Catoon en photo flou. C'est pas l'autofocus qui merde, c'est réellement flou. Pas juste devant, derrière aussi. Ça c'est bon pour mon OCD. Ah, ça c'est beau par contre. Version limitée 1, version limitée 2. Oh elle est swag celle-là. Celle-là elle est 1. Et la version normale avec une photo floue derrière. Et derrière. Ah, c'était ça! Ah, il y a un petit bracelet! Je vais passer sur ce Twitter le petit bracelet où tu peux le mettre même en porte-clés, tu sais, comme les guin tape du concert. Oh! J'ai cru qu'il était abîmé, mais en fait, bracelet, c'est comme s'il y avait de la fumée en fait tout autour. Tu vas ou pas, la petite fumée blanche? Bon, on va mettre ça là. Parfait. Passons à la version normale. À chaque fois. Ouverture facile! Ah, c'est là. Ah! En mode graffiti. Est-ce qu'il y a un truc de saut? Non, pas vraiment. Donc la version normale avec, combien de chansons il y a là-dessus? 14. Pour avoir écouté l'album, que je trouve très sympa, il change un peu, donc les avis sont très partagés sur ce nouvel album. Je pense que je vais en faire une review, il y a beaucoup de choses à en dire. Et le petit pamphlet, oh, parfait. Que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Bonjour Kabé! Avec un chewing-gum dégueulasse. Donc, hop là. Ça me donne pas trop envie en fait, Kamel. C'est vrai qu'il avait mangé une raclette Kamel tournée, disait. Ensuite, Amour qui ne sait pas s'asseoir sur une chaise. Toutes ces années passées avec Kamé ont eu une influence, visiblement. Malou. Tout en noir et blanc. C'est pas mal comme concept. Photo flou. Superbe, magnifique, c'est pas frustrant du tout. J'adore. Ah, j'adore cette photo par contre. Oh, oh, j'adore cette photo. Regarde-moi ça. Camé, oh, on a frôlé un camion de flore là. Il est accroupi, on a frôlé un on the floor. Ah, il est accroupi, mais bon, ça c'est. Tu vois, ça c'est. J'ai plus l'habitude déjà. Il tire pas la langue. Oh, bonjour, ma roule. Il y a un petit cucu de camé derrière. Pardon. Bonjour, ma roule, on est bien charmante, hein. Et après, le petit logo en graffiti derrière. Ah, c'est trop mignon, special thanks. Special thanks, Cartoon Stuff. Oh. Donc ça c'était la version normale. Passons aux versions DVD. Sachant que on a deux clips cette fois-ci. Donc il y a Danger et Go Ahead. Go Ahead qui était sorti en janvier pour le drama d'Ueda. Mais c'est pas grave, le clip sort en août. Normal. Oui, je vous ferai un petit MV reaction. Entre temps, j'ai fait une pause et j'ai changé de chapeau parce que ça commençait à m'énerver, l'autre il tenait pas, donc bref, voilà, on est reparti. Nous étions Limited One, donc la version avec les photos floues. D'après ce que je sais, normalement il y a le code en fait sur les CD qui donne accès à une vidéo pour apprendre la chorégraphie sur We Are Cartoon. Oh! Est-ce que c'est... Non, c'est pas les mêmes photos. Je pensais que c'était les photos floues, mais version focus cette fois-ci. Oh! Oh! Ok! Oh, un plan chaussure, donc ça c'est le petit pamphlet. Et après, donc on a le CD qui est là. CD DVD, oh, superbe. Et le graffiti qui est derrière. Et le dessous c'est pareil en fait que la version normale, avec le petit graffiti. Tu sais, je pensais que ça c'était la version floue, et qu'après t'avais la version focus. En fait non, c'est pas les mêmes photos. Voyons le pamphlet. Excusez-moi, j'ai... Ouh! J'ai chaud, j'ai pas mon éventail. Salope. Avec les paroles. Ok, Camille. Ok,
Camille porte bien le fard à paupières, hein, je suis désolée. On pourra se moquer autant qu'on veut, je vous trouve qu'il est très sexy avec son petit smokey eye. Nakamura a l'air bien rassuré derrière. Wesh, excusez-moi, deux secondes. Là, maintenant, Nakamura a l'air de se faire chier maintenant derrière. C'est comme ça. C'est un mime vivant, tu sais. Ah, Stalker Weda. Ta ta ta. Ah, graffiti. Nakamura flou sur une chaise. Donc je voudrais... Oups, excusez-moi, il y a Camé qui s'est montré. Voilà. La photo est floue, hein. C'est pas le focus de ma caméra qui merde, hein, je vous rassure. You should be illegal. Fucking too much. Ah, moi tu... Oh, on est assorti. Camille avec un petit chapeau. Donc, graffiti. Cadeau on the floor. Merci Camille, merci. Ça devait certainement être ton idée. Tu regardes bien, t'as presque un plantable là en haut sur Camille. Enfin, tu vois pas très bien, je t'avouerai. Parce que, voilà. Je pense que Camille en a marre de poser. Je peux rentrer chez moi. Ça meurt la pute. Et le bac. L'arrière. Pardon. Très joli. J'aime beaucoup le boîtier aussi. Ce photoshoot est superbe. Donc là-dessus, c'est le clip et le making of de Danger. Tu vas rentrer, oui. That's what she said. Ah. Suivant. La version limited à 2. Oh. Ouh. Oh là là. Oh là. Oh. C'est cute. Magnifique. C'est quoi? Pourquoi il y a... C'est quoi ça? C'est un poster? C'est un poster. La même photo que sur l'album, mais en poster. Bah écoute, je vais peut-être foutre ça derrière, comme ça. Je reconnais ce petit pantalon en cuir, Camille. Juste le clip de Go Ahead. Donc en fait le making of c'est que pour Danger. Le pamphlet. Oh là. Vraiment. On fait Maru. Ça c'est Maru. J'adore cette chanson. En fait, il n'y a que Maru qui a pas de petit fard à paupières. L'eyeshadow, tu vois, c'est pour les rebelles. Maru, il reste bien propre. On bien voir Maru avec un peu de colle, là. C'est pas mal, ça. Et après, c'est parole, il n'y a pas de photo. Ah, si, il y a la dernière. Oh, celle-là, elle est chou. Elle est chou, cette photo. Et après, c'est tout. Et après, parole. Tu vois, pour le coup, sur le design, je trouve que la version limitée 1 était beaucoup plus jolie. Mais, j'aime bien le... Comment on dit, le sleeve. La belle. À chaque fois, c'est pas possible. À choisir, je préférais quand même la version limitée 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez commandé les CD, j'ai commandé personnellement le bundle sur CD Japan. Donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez commander le vôtre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de donner un petit coup de pouce et la partager autour de vous. Toujours dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Patreon. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est pas grave, la vidéo sera juste ici. N'oubliez pas d'aller la voir et de me dire ce que vous en avez pensé également. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper la vidéo. Et à la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?